Voilà, je suis là, à 20 km au nord de Toulouse. D'accord, ben je m'en vais dans ta direction alors. Ok, donc je vais me chercher. Je me signale du combat avec les femmes, tu vois là, je sais pas si tu veux être en train de rouler, tu veux être en ville parce que je me signale du. Oui, affirmatif, j'étais tout à l'heure un petit peu en hauteur. Là, je suis redescendu dans le creux. Là, je m'en vais, je descends justement là en vacances. Là, on va se promener là avec mon YL. On descend sur Andorre, puis après Andorre, les Pyrénées-Orientales. Un peu d'Espagne, puis après, bon, on remontera d'ici la fin de semaine. Ok, le département 09, merci pour ce petit contact. Les bosses sont 13:51 retournées. Bonne journée à toi. Et puis, c'est certainement à plus tard, à tout à l'heure, puisque là, on va droit sur Andorre. Ok, à plus. À plus, bon. C'est côté à la station de la part de 14 Delta Romeo 33 sur l'autoroute Toulouse Sud. Allez, bonjour Central, la station 14 Foxy Charlie 031 Francis Toulouse. Ok Francis, bon, il fait beau là par chez vous, là on dirait. Ah, mais c'est comme le fait d'aller chez le bleu, hein, voilà. Alors, on est en route, un peu vie également, 17 degrés, 18 arrivés au milieu de l'air, à déjà extérieur, voilà. Sur la terrasse de devant qui est un peu orangée en plus, donc voilà. Donc ça va remonter, je pense, jusqu'à l'heure 3, c'est un peu vie. Il va faire très très beau. Ok, tu peux faire un petit QSY sur le 27-535. C'est parti. Ça marche, j'y suis. Voilà, ben pour ma part, voilà, je suis en vacances, là on est en train de se balader, là on s'en va sur Andorre. Je suis à un petit kilomètre de la sortie 19 au sud de Toulouse. Voilà, là on s'en va directement là-bas. On n'est pas très très loin. Voilà. Et c'est bien, c'est pas la station de 33. Affirmatif, ouais, c'est bien moi. Voilà, toi j'arrive à la sortie Mon Guicard. Voilà, sortie 19. Ouais, affirmatif, c'est bien moi, les bosses 13:51 de la part de Dati 33. Ouais. Ok, retournons 13:51 de Francis. Voilà, on arrive souvent, on fait que les soirs ensemble là. Avec André, voilà André, et puis surtout l'ami Gilou, là. L'ami Gilou du Canada. Voilà, mais moi je suis sur mon Giscard, hein, donc tu es à ma hauteur. Hein. Voilà, moi je suis sur les hauteurs de mon Giscard. Donc on est pratiquement à côté, voilà. Donc, voilà, et moi l'indicatif c'est 14 Fox Charlie 031. Si tu te souviens, un petit peu l'indicatif, là j'étais souvent en plus soit avec la vigile, là, voilà. Comme ça, c'est vrai qu'au premier abord, non, je me souviens pas trop, parce que bon, c'est vrai qu'en fréquence, on attrape tellement de monde et tout, ça. Alors, c'est pas toujours, toujours évident quand c'est pas très fréquent, quoi, on va dire. C'est vrai qu'entre nous, c'est vrai que Bordeaux, voilà, je sais que tu viens souvent en fréquence, mais c'est rarement que j'écoute depuis le Toulouse, là, sur Bordeaux. Hein. Par contre, j'écoute, il y a un pro 4 stations qui m'entendent sur Bordeaux, là, souvent.
que j'entends également. Mais toi, c'est vrai que t'as du mal à passer sur Toulouse là depuis le fixe. Hein. Voilà, je pense que tu dois être disons, moins bien dégagé que les autres stations. Donc on a un peu plus de mal à t'écouter sur Toulouse. Hein. Voilà, mais bon, Bordeaux, ça a toujours été un petit peu là, disons, là, très compliqué pour arriver sur Bordeaux. Hein. Ben oui, et puis en plus, je suis un peu dans un trou. Par rapport à Bordeaux, moi je suis un peu plus vers l'est. C'est vrai que je suis pas mal caché là de ce côté-là, quoi, puisque là je suis. Enfin, le QRA est entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Ok, je connais pas trop le coin, mais bon, disons que j'ai vu par rapport disons, au site, alors j'ai une situation de baisser là, à peu près où tu te trouvais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, mais bon, voilà, là, déjà, par contre, c'est en temps, mais alors, on vient pour les manivelles. Hein. Voilà, ça passe un carton, je suppose que c'est avec le 7900, c'est ça? Ouais, affirmatif. Ah ben, si ça passe trop fort, je peux baisser, hein. Comment ils sont bien, moi, j'ai réduit de mon côté, hein, la réception, j'ai réduit sur l'ICOM, hein. Voilà. Il y a tout qui est ici, au niveau de l'ICOM, là, donc, il n'y a pas de souci, ça passe très très bien. Voilà, mais moi, les conditions, c'est toujours le même, hein, l'ICOM, 737, là. FCM40, FCM30, voilà, c'est toujours là, mon automobile turbo, là. À 14 mètres du sol, et puis à la directive, là, comme moi, je pense que tout le monde est dans le bien. Je pense qu'il me donne une énergie de soi, là. En arrivant sur mon Giscard, je crois que je suis sur les hauteurs du grand niveau, on les obtient. Ah, ben c'est vrai que là je suis. Bon, je préfère faire quand même l'attention là à la route. Attends deux secondes. Voilà, c'était le temps de changement de voie. Ok, faut que je prenne à droite. Ok, j'avais pas fait gaffe, j'ai la gomme qui parle seule là qui est branchée, enfin le GPS, SJ3CO. Et j'ai pas fait gaffe qu'elle me montrait un changement de direction. Voilà, Andorre fois Pamiers. Voilà. Ah, donc à un moment donné, la possibilité de circuler à droite, ouais, voilà. Donc oui, à droite, et puis tu vas sur Foix, Pamiers, et puis Andorre, hein. Voilà. Bon, par l'autoroute, ça va très très vite après. Méfie-toi parce qu'il y a énormément de radars fixes. Hein. Alors méfie-toi parce qu'ils en ont mis un paquet là sur le tronçon qui fait Nayous Pamiers, là, il y a un paquet de radars là, automatiques, hein, dans le Sénégal. Hein. Ah, c'est vrai que les paparazzi, moi j'ai tendance à me méfier, quoi, je chie trois coups. Ah ben là, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils ont fait rentrer dans un mètre pas mal. Donc voilà, bon, ils ont dû attraper du monde, hein, c'est vrai que moi, les étrangers, je pense surtout qu'ils ont attrapé. Voilà, parce qu'ils sont bien planqués, ils sont pas planqués. Mais il faut le savoir, parce que je crois qu'il y en a deux ou trois là qui ne sont pas signalés. Hein. Voilà, les autres, ils sont signalés avec le panneau, mais il y en a deux ou trois, je crois qu'ils ne sont pas du tout signalés. Et voilà, et on les voit au dernier moment, hein, voilà. Donc il faut faire gaffe, hein, voilà, si on regarde ces petits points, il faut faire attention. Voilà, pour le partage vos propagations, j'y vais par rapport, disons, un petit peu à ce que tu mets sur Internet, que vous aviez des ouvertures un peu plus que nous sur Toulouse, là, que vous faisiez des contacts là, avec pas mal de disons, certaines divisions qu'on n'a pas entendues, nous, sur Toulouse. Hein. Voilà, sur Toulouse, c'est très très calme au niveau de la propagation, même en local, c'est pas vraiment folichon. Hein. Ouais, c'est vrai, et en plus de ça, bon, tu dois connaître là, le web SDR de Ludovic, Denu 33, web SDR in Bordeaux. Je suppose que tu dois aller écouter un petit peu dessus, quoi. Non, j'y vais pas, non, j'y vais voir un petit peu ce que tu mets sur Internet, mais après, je vais pas dire grand chose. Disons que le PC, malheureusement, il est très pris par madame, voilà. Et moi, ben, il faut que je me lâche là pour mettre en station parce que j'ai pas de PC à la station et justement il va falloir que j'en mette un donc un peu de trauma et je garde toujours en parlant pour le moment j'ai cliqué toujours madame et qui est toujours souvent du moins le soir hein, sur le PC. Ah, nous on a chacun notre portable, en plus YL a sa tablette, donc non, c'est bon là, ça se gère très bien nous à ce niveau-là. Ouais, autrement oui, au niveau propagation, c'est vrai que là il y a quelques trucs qui passent, hein, qui sont quand même pas mal. Comme la dernière, bon, il y a eu la Guyane, la Réunion, il y a eu, je
c'est plus... Enfin, il y a eu pas mal de trucs là, un peu intéressants. Mais c'est plus, on va dire, l'Amérique du Sud, c'est plus dans la moitié sud que la moitié nord. Autrement dit, les Américains, puis après plus au nord, le Québec et les pays nordiques, tout ça, on ne les entend pas. Quoi. De l'autre côté, c'est pareil, c'est année, on n'a pas entendu une seule station du Québec, là. Par contre, j'ai fait deux contacts avec les États-Unis, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, j'étais content, je me suis dit, ah, tu vas entendre le Canada, si les États-Unis passent, on va entendre la Michigan, puis on n'a pas entendu, voilà. Donc, pas du tout d'ouverture de propagation en direction du Québec, là, du Canada. Et après, bon, le soir, il y a quelques ouvertures, ils ont pas mal d'ouvertures, côté Brésil, Argentine et tout ça, là, qui arrivent quand même assez fort de mon côté. Et question nord de France, ça fait un petit moment, là, qu'on n'a pas eu d'ouverture sur le nord de France également. Et après, ici, de mon côté, j'entends le plus souvent, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, en ce moment, que j'écoute là, mais bon, c'est pas période, là, c'est pas de la grosse ouverture de propagation, c'est vraiment des petites ouvertures de propagation qui durent vers le 10 minutes, un quart d'heure, voilà, donc c'est vraiment de la propagation très très basse, voilà. Mais c'est comme ça, c'est les aléas de la radio, comme je l'ai dit, il faut s'adapter à tout. Oui, voilà, affirmatif, là, c'est au contraire, c'est... moi, j'aime bien, moi, ces aléas comme ça, là, c'est... on va à la pêche, quoi. Voilà, on va à la pêche, un coup, ça marche, un coup, ça marche pas, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Ça, moi, j'aime bien, moi. Ça change de vie quotidienne, où tout doit être absolument programmé, et tout ça, sans faille, sans défaut. Oh, c'est chiant, au bout d'un moment, quoi. Un peu d'improvisation, c'est pas mal, quoi, quand même. Ouais, effectivement, si c'était comme le téléphone, ça serait pas intéressant, il y aurait comme plaisir, voilà, si c'était la même chose. Au moins, là, de galérer un petit peu pour faire des contacts, au moins, on prend plaisir, et puis voilà. Et puis, je pense que si les OM, là, s'ils font des contacts avec des puissances minimum, là, c'est vrai que c'est quand même plus plaisant, là, d'accrocher en ce moment, sachant qu'il n'y a pratiquement pas de propagation, d'accrocher, là, des OM avec très peu de puissance, c'est, voilà, c'est tout un plaisir, hein. Voilà. Mais bon, il ne faut pas baisser les bras, ça va remonter. Hein. De toute façon, on savait qu'on allait avoir une descente assez forte là, au niveau de la propagation. Mais ça va remonter petit à petit. Il faut être patient, et puis on fait le contact qu'on fait. Et puis bon, après, c'est sûr, il faut être là aussi à la propagation. Malheureusement, on ne peut pas aller derrière la station tout le temps. Voilà. Bah, j'ai la chance de pouvoir y être assez régulièrement par rapport à mon handicap. Mais autrement, les deux comme le compte le pro, ils n'ont pas tout le temps l'occasion de se trouver derrière le micro, voilà, et c'est souvent que la propagation des ouvertures se font l'après-midi, là, à certaines heures, ou le matin, voilà, ou alors le soir très tard, voilà, moi ça m'arrive peut-être à 2h du matin devant la station, là, et ça m'est arrivé de faire des contacts, voilà, mais bon, ils sont rares, mais ça arrive. Hein. Oui, parce que là, justement, là, ces jours-ci, là, on a eu la propagation qui était bien là, bien présente, jusqu'à bien, 22h30. Bon, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, parce que bon, déjà l'après-midi, c'était déjà là, on entendait des îles passer, tout ça, et puis bon, jusqu'à quand même 22h30, là, j'étais étonné, quand même. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans une période où la propague va être assez sporadique, ça va durer quelques minutes, peut-être maximum une heure, mais là, quand même, ça a duré, là, une bonne partie de l'après-midi, plus toute la soirée, quoi. Ouais, mais ça dépend, tu sais, bon, le soir, bon, ça m'arrive, hein, quand il n'y a rien à la place de Victorie, je vais à la station, là, assez tardivement, et bon, et ça m'est arrivé de faire de beaux petits QSO, là, voilà, t'attends personne, et puis tu laisses un appel, tu donnes les fréquences, et puis, bon, t'as plus que tes réponses, c'est vrai, c'est surprenant, des fois, voilà, et ça fait bien plaisir de voir qu'il y a des stations qui se tardivent le soir, là, dans certains pays, voilà, mais cette mise-là, ça tourne bien, hein, voilà, j'avais l'intention de l'acquérir, là, et je vois que il fonctionne super bien, voilà. Ouais, ben bon, derrière, on va dire que j'ai passé l'antenne au mirror à chi trois coups, ce qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a une superbe radio là, ça, très, très fort, c'est fort, c'est clair, c'est net, franchement, il fonctionne super bien là, c'est vrai que, comment il s'appelle, 14 Alpha Romeo 2555 là, voilà, il va en parler, puisque lui il a eu également, oui il a également, il en est super content, voilà, donc moi j'étais, disons, en pause de deux acquérir.
Mais bon, je vais attendre un petit peu, puisque là, j'ai fait modifier un poste, disons, Lincoln, là, qui s'est amélioré de A à Z, et qui marche pas mal de fois, donc, en attendant, mais je me tiens dessus un petit peu, là, qui dépote pas mal. Ok, bon effectivement, là, tu vois, là sur un août 7009, là ce que ça donne. Et ouais, c'est vrai que j'en suis content. La première fois que je l'ai entendu, le 7009, ça a été par Pascal 14ODR001. Voilà, ça a été par lui. Quand j'ai vu, alors lui en général, qui a une voix plutôt sourde, à chaque fois sur ses précédents postes, ça avait tendance à être assez QRP. Et du jour où il est arrivé là de mon côté là avec le 7009, oh la vache, ça a été le jour et la nuit. Hein. Ah, je me suis dit là, il n'y a pas photo, là, j'ai pas besoin d'être d'avoir plus d'explications pour être convaincu. Et je l'ai rapidement acheté aussi. Hein. Ah mais j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça, tu l'as acheté en forum, je crois, comme ça là, que j'ai vu sur internet. Non mais c'est bon, c'est impressionnant, j'attendais dire que tu viennes de cet émetteur, hein. Bon, c'est vrai qu'il a un plus, niveau frontal et tout ça, c'est super, c'est plus joli que le Lincoln 2 là qu'ils ont sorti. En fait c'est vrai que le Lincoln 2 là, il a un niveau réception, je trouve pas qu'il a une réception sensationnelle. Par contre, celui que tu utilises là, c'est 2005, impressionnant, niveau réception, même émission, c'est que du plaisir, hein. Voilà, la modulation, c'est vraiment que du plaisir. Il y a un léger petit, genre des échos derrière, mais c'est juste l'effet que ça pousse un petit peu plus la modulation, et c'est sympathique. Hein. Ouais, c'est le réglage que j'ai essayé justement d'obtenir pour pas pour avoir vraiment de l'écho proprement dit, mais pour un meilleur confort de modulation. Et j'ai fait le réglage justement avec la tour de contrôle avec Michel, qui pour la petite anecdote, lui est allergique à la chambre d'écho, donc c'est tombé pile poil. Au point que quand il m'a dit que eh bien, là c'est impeccable, faut surtout pas remonter davantage, on l'entend juste à peine, juste de quoi remonter la voix, donc là ok, ce coup-ci je touche plus au réglage, et là tu me confirmes qu'apparemment ça a l'air d'être bon. C'est pas le réco, on sent que c'est juste le truc qui booste un peu plus la radio, et ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Ça marche du feu de Dieu. Hein. La radio là vraiment elle est claire, nette, il n'y a rien à dire au niveau de la radio. Voilà. Mais je sais pas, je pense que tu t'éloignes là parce que c'est descendu, tu t'es installé à 9 plus 60 là, tu arrives à aiguille dans ta gueule, puis là tu es redescendu à 2-3 là, donc tu t'éloignes de moi, hein, je pense. Voilà. Donc avant qu'on se perde là, parce qu'on va se perdre, je pense. Les bonnes amitiés aux personnes qui sont en petit de toi, s'il y en a du moins, je pense que tu vas pas être tout seul, voilà. Et merci beaucoup pour une sympathique cuisson, et j'espère avoir l'occasion de pouvoir te copier plus gros, c'est vrai que mon nom c'est difficile, mais bon, je copie trop notre station, pourquoi pas toi, voilà, alors je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion aussi, je t'entendais quand tu faisais les cuissons avec Gilles, mais bon, chaque fois il y a eu des difficultés à se copier entre nous, hein. Donc voilà, moi je suis sur l'auteur, toi tu es peut-être dans le trou, donc voilà, c'est peut-être ça qui le problème, disons, pour pouvoir t'écouter. Voilà, mais je te souhaite la bonne route, surtout la présence, et avec grand plaisir de se réécouter. Ok, merci. Puis en plus, bon, retour. Voilà, là, je suis sur le département de l'Ariège. Voilà, donc j'ai un peu roulé quand même. Je perçois les Pyrénées, là, droit devant moi. Et voilà, je vais t'envoyer les bons sur 1351. Et quand je serai de retour au QRA, que j'aurai fait ce que j'ai à faire, hachis trois coups, tu auras le plaisir de pouvoir voir comment tu passes dans une petite vidéo. Mais je te remercie, pas de problème, merci pour la vidéo, mais moi j'en fais, hein. Mais vu que je n'ai pas beaucoup de propagation en ce moment, la dernière que j'ai fait, je sais plus, j'étais avec le, je crois que j'étais avec le Nancy, je sais pas, là, ce que j'ai fait là, parce que j'essaye d'en faire pas mal, là, mais bon, vu qu'il n'y a pas grand monde, voilà, et là, c'est vrai que j'aurais senti que j'allais t'écouter, j'aurais fait la petite vidéo, tu vois, parce que je sais pas le truc à portée de main. Il aurait fallu que j'aille le chercher, mais bon, je pensais pas que j'allais entendre de MD33 sur Toulouse. Ah, comme quoi, bon, deux années de suite, on est allé du côté de la Bretagne, et puis là, bon, l'YQ a eu envie de changer.
C'est vrai que d'habitude c'est en septembre qu'on part et non pas là en cette période-là. Et puis toi, là, d'un seul coup, pof, hop, 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 comme ça, allez hop, on décide de prendre la route, direction en dehors, toi, puis allez hop. Comme quoi, toi, sur la radio, tout finit par arriver un jour ou l'autre. Voilà, bon, avant que tu me perdes complètement, je vais t'envoyer les mentions de presse 51, très content de t'avoir eu en fréquence. Et bon QSO. Ok, et pour la vidéo, tu la postes sur YouTube, hein, parce qu'après sur l'OLAS, je ne sais pas comment on fait pour aller sur l'OLAS. Moi, toutes ces vidéos, je les mets sur YouTube. Elles seront sur YouTube, hein. Ah ben de toute façon, c'est là où je charge en premier. Hein. Et après, sur que ce soit sur mon forum, la planète Sibi francophone, ou sur les autres forums, ou sur Facebook, Twitter, après, c'est du partage que je fais. Hein. Mais effectivement, oui, en premier sur YouTube. YouTube, eh bien, Rémi Dandy, ou Dandy Rémi, je ne sais plus dans quel sens que c'est. Et puis voilà, quoi. Ok, d'accord, pas de problème. J'ai mis donné, voilà, mais je t'apprends ça, puis je pense que je tomberai sur la vidéo. Mais je te remercie pour tout, les votes sont prêts, et surtout la prudence sur la route, et attention aux petits flashs. Ouais, j'ai les yeux là, en permanence, justement, là, sur le compteur, j'y fais gaffe. Ok, merci à toi pour ce petit contact, bonne journée, bonne semaine, et profite bien du soleil, et de bons cuissons. Merci pour tout, et j'espère que vous aurez du beau temps sur Andorre là-bas, j'espère. Voilà, bon, Brésil, s'il fait beau sur Toulouse là-bas, c'est quand même un peu dégagé. Voilà, 73, la prudence, et avec grand plaisir de te réécouter. Ok, merci. Pour au cas où, de toute façon, j'ai les chaînes dans le coffre. Un chic trois coups. Et j'aperçois la neige dans le lointain, là, sur les Pyrénées. Ok, merci. Bye. Et oui, regarde d'abord. Il y a du monde là, sur le canal 19, là, pour Dandy 33 qui lance appel en mobile là, depuis le pied des Pyrénées. Oh, ben, j'ai profité du paysage moi pendant ce temps-là.
me extraña mucho. Sí, es el 1-4, acá eres el 1-2. Cuando ya estaba yo más para arriba del paso de la casa, me cago en Dios. Ya veo menos, pero ahora aquí, a ver, no te jodes, soy a las 3 y cuarto de allí abajo. Sí, soy a las 4, 3 cuartos de hora. Cuarto de hora, 8:20 polvo, fíjate. ¿Qué sigue de preco? Preco no, así, a ver, hay que estar pasando lo que puedan. Hasta contigo, Antela, ya estas horas, para mí, dentro de 3 días, por lo menos. Venga, la campaña llena, estoy un 7, a primera de la tarde, sigue para la comida y la joven. Bueno, pues ya lo miraremos eso. Bueno, bueno, pues venga mi Juan, que te vaya bonito para ahí, venga, tranquilo para arriba. Cuídate, y para ahí para abajo también estaba tranquilo, hay un poco de circulación, pero estaba todo tranquilo. Sur le mobile qui est devant moi pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Attention les pouches rouges avec l'antenne au milieu du toit là pour Dundee 33 qui te l'on s'appelle. Et 73, c'est le push blanc qui est derrière toi, la H3 cool et 73-51 de la part de Dundee 33. Ok, d'accord, ben moi je suis aussi avec mon YL, là on est en vacances, là sur la région. On arrive du 33, du côté de Saint-Émilion, question la bataille. Voilà, on profite des vacances, on va faire un petit tour en dehors, puis après on descend sur les Pyrénées-Orientales, de ce côté-là. Ah ok, moi je suis en vacances d'un petit village qui s'appelle Mireille. Ok d'accord, bah ça va, c'est sympa quoi. Bah c'est bon toi, parce que mon guide va un grand mois, c'est la route de 47 à Ah oui d'accord, bah ça va, peut-être qu'on s'est déjà attrapé en fréquence, non? Ah c'est fort possible, mais il y a peut-être assez longtemps. Ouais, si je passe trop fort, tu me dis, hein, je peux baisser un peu. Hein. Bah, ça écrase un petit peu, mais ça passe bien quand même. Hein. Mais c'est normal, c'est la proximité. Hein. Ah, c'est important, enfin, il n'y a pas beaucoup de sinistres. Je suis arrivé, moi, j'ai pas de bagnole, ça a été un coup. Ah, je suis trois coups, il fallait que je vienne par ici. Ah, c'est sympa le quartier là quand même. Hein. Ah, c'est important, mais je fais attention au moment où on passe, parce qu'il y a souvent des. Ah, ouais, j'imagine, la douane. Ah, c'est bon, surtout, je pense faire les courses devant les magasins, si tu mets une bouche sur le magasin, sinon je te fais voir. Bah tiens, tu m'étonnes. Ah tiens, non, je croyais que c'était justement, que c'était l'un d'eux, je croyais, là. Ah oui, attends, non, mais là, parce qu'avant, t'as le plus haut, t'as les travaux, c'est pour ça. D'accord, ok. Pourtant, vu le ruisseau à côté, ça monte pas d'eau, hein, Hachi. Ah, sûrement, c'est pas de nous, c'est parce que là, qui baisse, c'est de l'eau potable. Ouais, j'ai bien compris. Ah ouais, je vois les pelles mécaniques. Ah, sûrement, c'est ça.
Ok, je crois que l'YK voulait prendre le micro, non? Ok, 88 madame. Coucou, comment allez-vous? Bon, j'espère que là, j'ai la puissance réduite au minimum. J'espère que ça passe pas trop écrasé, parce que là, vu la proximité quand même, s'il y a 4 mètres entre nous, c'est un grand maximum. C'est la petite fille, hein, c'est tout. C'est pas la bonne femme. Ouais, c'est après que j'ai réalisé. Quand j'ai vu que là, quand t'as récupéré le micro. Bah, tu m'étonnes, c'est sûr, hein. Avec Jérôme Xigaké, pareil, elle est mieux, quand elle est connue, elle est pas trop simple, après elle n'y a plus de goût. Ouais, d'accord, et côté fixe, t'as quoi comme matériel? Ah, on repart. Ah, j'ai le 3009 HPF. D'accord, ben au décalage. En fixe, moi c'est plutôt un décamétrique que j'ai là. Ok, donc moi j'ai la fixe là, j'ai la poche et j'ai le GF Capri. Alors là dans le push, moi c'est un CRT 7009, un multimode. Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Le 7009? Ah si, justement, c'est l'un des derniers sortis là. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je Ouais, d'accord. Ouais. Et le JFK, c'est l'ancienne version, j'imagine. Ah, c'est le premier JFK qui a sorti. Ah oui, d'accord. Alors que moi, là, le mien, si je l'ai depuis celui-ci, ça doit faire un an, je crois. Quelque chose comme ça, ouais, pas plus. Hein. Ah, ok, lui aussi, il a mis à faire depuis 80 que j'ai dans le pouce. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Au cuir, ah oui, j'ai quelques vieux postes, autrement là que j'ai là, que je me fais un petit musée, quoi, on va dire, un chiffre à coup. J'ai une vingtaine de postes là, au cuir. Ah, moi, là, j'ai 15 ans. Ouais, mais c'est que à côté de ça, bon, j'ai fait quelques salons, comme le salon de Marraine, par exemple. J'ai un forum, la planète Sibi francophone. Je suis un peu partout, sur Facebook, un peu partout, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Putain, la vache, il y a encore de la neige, hein, par ici, hein. Tu m'étonnes. Faut pas les chaînes. De toute façon, s'il est faux, je les ai, hein. Ok, d'accord. Ouais, j'ai mis un petit peu de distance quand même, parce que c'est vrai que ça a écrasé un peu trop, même la puissance au minimum. Attends, je ralentis un peu parce que là c'est vrai que ça fait à peu près. Ouais, c'est sympa d'avoir un petit pied-à-terre par ici, quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment sympa par ici, hein. Ah oui, même comment là tu passes, là tu passes sur le grand rival derrière, etc. T'as le thermal et t'as la source qui est juste au-dessus des montagnes, là où on a le pied à terre, non. Ok, voilà, je viens de voir que j'avais remonté la puissance, je devais dépasser à nouveau écrasé. Je me suis trompé avec le RF Garachi. Ok, ah ouais, là c'est. Cette route là, je crois que c'est la première fois qu'on la prend, là. Ou. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ah, oui, ça. Bah, mais je vais décider, Nico, je vais tourner à gauche, là. Ok, merci, content d'avoir quelqu'un par ici en fréquence. Et bonne route, bonnes vacances également. Merci beaucoup.
Prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie. CQ CQ CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, depuis le pas de la case. CQ CQ CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 vous lance appel depuis le pas de la case. Bon ben c'est pas grave, on va continuer notre route. Comment ? C'est le tunnel qui va vous payer. Alors depuis le pas de la case, si vous prenez le tunnel vers Andorre, et bien il est forcément payant celui-là. Alors du coup on a fait demi-tour et on passe par le col. La vue est beaucoup plus belle.